Mesdames, messieurs, bonjour, bonjour, bonjour et bonjour. Ceci est Nyans Ribbon 2. Mais nous passons directement à Nyans Ribbon, premier du nom. Aujourd'hui, nous passons directement à la neuvième vidéo, notre neuvième vidéo de ne pas avoir peur. Essayez de ne pas avoir peur. Si vous avez peur, vous priez et vous likez la vidéo. Vous savez pourquoi nous faisons cette vidéo? C'est parce que la peur, c'est quelque chose de mauvais. La peur, c'est quelque chose de dangereux. Si vous avez peur, priez. Et quand vous commencez à prier, soyez fort. Ayez un cœur dur et n'ayez pas peur. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter tout simplement des images qui vont sans doute vous être, qui vont sans doute vous étonner. Et si Dieu le veut, on peut trouver une vidéo qui est un peu bizarre pour voir si, comment vous allez réagir. Mais avant, nous allons d'abord jeter un coup d'œil sur Nyans Ribbon 1 et Nyans Ribbon 2. Comme vous le voyez là, Nyans Ribbon 2, notre chaîne YouTube qui est en train de bouger en ce moment. Si Nyans Ribbon pour mettre du nom, vous pouvez le voir, regarder. Déjà, on voit ici mon premier live. Oh mes frères et soeurs, je viens de faire mon premier live. Il y aura des lives qui vont venir en fonction de vous. C'est vous qui allez nous dire quand vous aimeriez vous qu'on fasse des lives. Et on verra ce qu'on peut faire pour la suite. Regardez la vidéo qui se trouve là, Signor Sorbonne déjà. J'ai vu de mes yeux un génie, un démon géant. C'est mon premier témoignage. Ça, c'est quelque chose que moi-même j'ai vu. J'ai vu de mes yeux un truc pareil et je vous explique. Regardez, il y a plein de vidéos qui vous attendent ici. Néanmoins, Signor Sorbonne 2, nous travaillons sérieusement ce temps-ci. Regardez la vidéo qui vient d'être postée aujourd'hui. Regardez. Une, voilà, une, deux, trois, quatre. Quatre puissantes vidéos où il y a plein de stars qui vont révéler des choses assez étonnantes sur leur vie, sur la source de leur célébrité. Toutes ces histoires sont là et vous attendent sur Nyans Ribbon 2. Abonnez-vous sur les deux chaînes si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche qui est juste là, cliquez là-dessus. Pour que les oreilles s'ouvrent. Une fois que c'est fait, maintenant nous sommes prêts pour rentrer où? Dans la légende. Très belle voiture, n'est-ce pas? Mais ce que nous allons vous montrer, ce n'est pas beau. Si vous avez peur, mettez-vous directement à prière. Première vidéo, première image. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est, mes frères et sœurs? Qui peut me dire? Qui peut me dire ici? C'est que c'est. Ah! Comment est-ce possible? On a l'impression de voir un lion, n'est-ce pas? Un lion, en même temps une chèvre, en même temps un serpent. Les trois éléments là, les trois créatures, ils sont collés, soudés comme une seule personne. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait pas peur. C'est terrifiant. Regardez ça, regardez ça. On a l'impression de se retrouver où? Dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, malheureusement, il y aura toutes ces choses que vous voyez là à l'image. C'est pourquoi nous vous demandons déjà d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Dieu lui-même qui vous protégera, qui vous gardera contre tout. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est vivant et c'est lui seul qui peut vous garder, vous protéger contre tout ce que le diable fait contre vous. Regardez. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous avez eu peur? Si vous avez peur, laissez un like, abonnez-vous et priez avant. Priez avant tout ça. Hey! Mon premier live vient d'être mis en position. J'étais à côté pour voir ce qui s'est passé. Et je vous donnerai rendez-vous pour un autre live. On est plus loin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sirène qui joue de la harpe. Elle joue de la harpe carrément. Mais ça alors? Ça alors? Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça, c'est waouh! Je dirais même waouh! Wow. On ne savait pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? On a deux bras ici, deux autres bras là. On voit une créature, deuxième, troisième, et un homme qui est arrêté là. Mais il n'a pas peur. Hein? Il n'a vraiment pas peur. Il n'a pas peur. C'est bien de ne pas avoir peur. Waouh! C'est intéressant. On a l'impression que cet élément qu'elle a, c'est un démon. Ou encore, c'est un ange de la mort, puisqu'il a des ailes. N'est-ce pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans la partie commentaire. J'aimerais bien savoir.
Regardez-moi ça. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? C'est un miroir brisé. Ça représente les miroirs des sorciers. Vous savez que les sorciers, les mystiques ont des miroirs. Ils utilisent ces miroirs pour faire les sacrifices humains. C'est-à-dire des images vont défiler dans ce miroir après les invocations. Et ils auront tout simplement à casser le miroir avec un objet tranchant ou un objet capable de casser le miroir. Et une fois que c'est fait, la personne qui est à l'intérieur va mourir par la suite. Nous allons faire une vidéo là-dessus. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est un fantôme. Est-ce que vous avez eu peur? N'ayez pas peur, mes frères et soeurs. N'ayez surtout pas peur. N'ayez pas peur. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette créature assez horrible qui se trouve à l'écran encore? Les mères vont savoir de quoi il s'agit ici. Regardez-moi ça. Waouh, c'est atroce, atroce, horrible, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est? Et on voit ici au pied de cette créature des enfants. Et ces enfants n'ont pas peur. Ils ont tout sauf peur, mes frères et soeurs. Regardez. Waouh. Wow. Un œil, c'est l'œil du diable. Deux yeux. Avez-vous eu peur? Tu vois. C'est un crâne humain vivant. Et vu la position de ses iris à la verticale, on peut dire que c'est un reptilien. C'est un reptilien ou encore un démon. Wow. Mais qu'est-ce que c'est? Ces trois chiens enragés, soudés, collés en un, qui forment une seule personne. Mais waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais waouh, encore les mêmes trucs bizarres ici. Signas Reborn 2! Plutôt Signas Reborn, pour me dire non. Waouh, vous pouvez également vous abonner à Signas Reborn 2, ça vous fera énormément de bien découvrir les vidéos que nous avons faites récemment. Mais waouh, regardez-moi ça! Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, c'est un fantôme! C'est un fantôme ou quoi? Elle est sur le miroir et. Waouh, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui cette femme? Ah là 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 là. Mais pourquoi est-elle comme ça, comme ceci? Waouh! Mais waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Mes frères et sœurs, n'ayez surtout pas peur. Ayez confiance à Dieu qui va vous délivrer. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Car quand vous avez peur des démons, ça donne une porte aux démons, mes frères et sœurs. Attention, attention! Qu'est-ce qui fait peur ici? Rien ne fait peur. C'est le fou dire avec moi. Ce n'est rien ça. Ça, c'est rien. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ici, vous pouvez clairement voir quelque chose, une statue géante qui ressemble à un hibou. Et tous ces gens qui se trouvent ici, là, ce sont des gens qui sont là spécialement pour vouer un culte. À qui? À ce démon. Et ils sont habillés comme des prêtres. Ils ont porté de ces tenues bizarres. Regardez-les. Ah là 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 là, ça c'est vraiment bizarre. Ces choses existent réellement? Si ça n'existait pas, ce ne serait pas ici. Il y a même pire que ça qui existe, mes frères et sœurs. Attention, réveillez-vous. Waouh! Ça c'est quoi? Une bague. Il y a des gens qui ont de telles bagues là sur les mains. Vous pensez que c'est un hasard? Ce sont les mystiques en général qui ont de telles bagues sur les mains. Il faut faire très attention, il ne faut jamais porter de telles bagues, c'est dangereux. La créature primitive, elle là, regardez les trois créatures soudées de face maintenant, regardez ce que ça donne. Waouh! On voit un lion ici, on voit de l'autre côté une créature assez étrange, assez étrangissime. Et regardez-moi ça. Waouh! Ça, qu'est-ce que c'est? C'est clair que c'est l'enfer. C'est l'enfer, mes frères et sœurs. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Waouh! C'est qui ce type? Est-ce que vous avez eu peur? Mais qu'est-ce qui sort de sa bouche? On a l'impression que c'est du sang coagulé. C'est du sang coagulé. Waouh! 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 Ça, c'est une créature du monde des ténèbres, c'est clair. C'est-à-dire que c'est une créature qui consomme du sang. Une créature qui consomme du sang? Oui, assurément. Puisque ce sang-là soit coagulé, c'est-à-dire que le sang que cette créature a consommé, là, qui se trouve en elle, a commencé à se décomposer, je suppose. Hein? Si vous avez quelque chose à dire à ce niveau, faites-moi savoir. Mais waouh! Encore un fantôme qui veut nous faire peur ce soir. N'ayez surtout pas peur. N'ayez surtout pas peur. Si vous avez peur, laissez un like et priez. Après, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Waouh! Ces choses vont vraiment peur. Hein? Waouh! Non, 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 n'ayez pas peur. Mais ça, est-ce que ça vous fait peur? Voici des vagues géantes qui arrivent et ces hommes-là sont là en train de s'amuser comme si c'était de la rigolade. Mais waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, je me pose des questions là-dessus. Mais waouh, encore un crâne humain. Mais cette fois, il n'y a pas Dieu à l'intérieur.
n'y a pas Dieu. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Waouh, c'est peut-être des crânes humains. Lesquelles de ces images vous allez plus faire effrayer? Franchement, ne soyez pas effrayés. En voyant toutes ces choses, ne soyez jamais, jamais effrayés. Ça, c'est un miroir. Et on voit une femme à l'intérieur. Waouh! Est-ce qu'elle est réelle? C'est assez étonnant. Attention, mes frères et sœurs. Attention, 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 attention. Les choses graves qui se passent dans ce monde. Et vous devez savoir que toutes ces choses que nous venons de vous montrer ne sont pas loin d'être vraies, mes frères et sœurs. Waouh! Waouh! Nous avons bien montré il y a quelque temps une poupée très 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 bizarre qui faisait des trucs vraiment bizarres. Regardez cette vidéo, n'ayez surtout pas peur, n'ayez surtout pas peur. La poupée fantôme est encore dans cette vidéo. Préparez-vous, regardez. Cette poupée que vous voyez là n'est pas une poupée comme les autres. Cette poupée là a la faculté de se déplacer ou encore de bouger sa tête. Mais cette poupée-là est possédée. Que va-t-il se passer ici? Regardez, s'il vous plaît. Elle a bougé la tête. Avez-vous vu ça? Regardez. Elle a jeté notre clé la poupée. Regardez encore. Regardez-la. Waouh! Encore, regardez. C'est une poupée fantôme ou hantée. Regardez. Waouh! N'aie pas peur en voyant la poupée hantée dans cette vidéo. Avez-vous vu ça? Regardez encore. Et regardez comment elle a crié. Parce que c'est pas normal qu'une poupée bouge la tête comme ceci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, nous faire savoir combien de fois vous avez aimé la vidéo et vous êtes prêt pour la prochaine vidéo. Surtout, abonnez-vous au Signor Scribon 2 et regardez cette vidéo que nous venons de faire. Cette vidéo fait 1h27:37. Nous avons raconté des choses extraordinaires à l'intérieur. Regardez par exemple ça. Nous sommes toujours en train de regarder cette vidéo dans notre portable parce que cette vidéo est vraiment extraordinaire. Je vous incite par là à consulter, à regarder cette vidéo et à découvrir ce qui a été fait. Waouh, toutes ces vidéos qui se trouvent là, même les vidéos qui sont en bas, seront d'une grande utilité. Par exemple, voici une fille qui va attaquer un chrétien qui est en train d'évangéliser, qui est en train de prêcher la parole de Dieu. Waouh, il y a des choses vraiment énormissimes ici. Et ici, vous allez comprendre des choses vraiment encore plus étranges, des révélations que cet homme de Dieu va faire sur un artiste très célèbre. Vous pouvez regarder même son nom est là. Waouh, revenez sur notre bande et jetez un coup d'œil également sur les vidéos qui ont été faites à télévision. Actualisation, voilà. Waouh, comme vous le voyez à l'écran, nous avons testé le mode live ici et le premier live se trouve là même devant vous ici. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? J'étais au coup d'œil à ça pour découvrir de quoi il s'agit. Reborn. Waouh, comme vous le voyez déjà, c'est quelque chose de nouveau, c'est notre premier live. Waouh, c'est extraordinaire. Notre premier live, Signor Reborn. Ça, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Waouh, c'est une bénédiction. Excusez-moi, nous allons dépasser légèrement. Bad, very bad connection. Ok, parce que ça devrait être bien. Ok. Ah, mes frères et sœurs, il y a quelque chose à vous montrer aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Qu'est-ce que Jens Reborn va vous montrer dans la vidéo qui va suivre? Abonnez-vous, laissez un like comme tous vos amis et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va sans doute vous étonner. Surtout, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Je vous donne également rendez-vous sur Jens Reborn 2 pour la prochaine vidéo. Et si Jens Reborn 1er du nom, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, gratuit, c'est gratuit. Abonnez-vous massivement, laissez plein de likes, soutenez-nous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va sans doute vous étonner. À bientôt, Jens Reborn. Yeah.